Bonjour à tous. From coast to coast to coast, there are Canadians working long hours to keep each other safe and keep our country moving. But for everyone putting in an extra shift right now, there's someone else who wants to work but can't. Maybe you've been laid off because of the pandemic. Maybe you still have a job but aren't sure if your employer is going to keep you around next month. Whatever your situation may be, we're in your corner. Earlier this month, we introduced the Canada Emergency Wage Subsidy to help protect your job or help you get back to work. And as of this morning, applications for this program have opened. Employers can now submit a claim for the Canada Emergency Wage Subsidy through the Canada Revenue Agency. To access the 75% wage subsidy for your employees, go online through canada.ca to reach this portal. Whether you're a charity that employs 200 people or a fast-growing startup that employs just 20, you will be eligible to up to $847 per week per employee. And you can expect to see this money soon. The CRA has partnered with financial institutions, so make sure you register for direct deposit to get your money quickly. The first payments should begin to arrive on May the 7th. For organizations like Focus on Nature, who sent me a letter last week, that's huge. Because of COVID-19, this charity from Guelph would have been forced to lay off all of their staff. But thanks to the wage subsidy, they can now keep their employees on the payroll and keep teaching kids about nature. And there are so many more stories, just like this one. There have been over 300,000 views of the online calculator we launched last week to help businesses prepare a claim. And since the portal opened at 6 a.m. this morning, almost 10,000 businesses have already applied for it. That gives you a sense of just how many people this program will help. Right across the country, it's going to keep businesses and workers connected. And that gives people certainty that they'll have a job now and in the months to come to support themselves and their family. And it means employers will not just have the help to stay afloat through the tough time, but they'll be ready to gear back up when things get better. We all know a local salon or a gym that's had to close, a neighborhood restaurant or shop that's really struggling. And more importantly, we all know people who work there. They deserve a hand to get through this, and that's what the wage subsidy is for. Depuis ce matin, les employeurs peuvent déposer une demande en ligne pour recevoir la subvention salariale d'urgence sur le site de l'Agence du revenu. Vous trouverez le portail en ligne sur le site canada.ca pour faire votre demande pour cette subvention de 75%. Que vous dirigiez un organisme de bienfaisance qui emploie 200 personnes ou une start-up qui emploie 20 personnes, vous pourriez recevoir jusqu'à 847 $ par employé par semaine. Et c'est de l'argent que vous allez recevoir bientôt. L'Agence du revenu a travaillé avec les institutions financières pour faire en sorte que vous puissiez rapidement recevoir vos paiements si vous optez pour le dépôt direct, avec les premiers paiements à partir du 7 mai. Depuis 6 heures ce matin, près de 10 000 entreprises avaient déjà présenté une demande. La subvention va aider beaucoup de gens à garder leur emploi pendant cette crise. Et ça va aussi aider les employeurs à reprendre rapidement leurs activités une fois la crise terminée. On a tous, pas loin de chez nous, un salon de coiffure ou un gym qui a dû fermer ses portes, un restaurant de quartier ou une petite boutique qui sont vraiment en difficulté. Et surtout, on connaît tous des gens qui travaillent dans ces endroits-là. Ils méritent un coup de main pour passer à travers, et c'est à ça que sert cette subvention salariale. Mais c'est certain qu'un seul programme ne peut pas aider tout le monde. Si votre employeur ne peut pas vous réembaucher, si vous êtes un travailleur saisonnier, si vous ne pouvez pas trouver un job en ce moment, on va vous aider. Vous avez probablement déjà reçu votre premier chèque mensuel de la prestation canadienne d'urgence. Si vous en avez besoin pour le mois prochain, vous n'avez qu'à vous rendre en ligne et confirmer que vous êtes toujours admissible. Mais souvenez-vous, vous ne pouvez pas garder et la subvention salariale et la prestation d'urgence, c'est l'un ou l'autre, pas les deux. Pour ce qui est des étudiants,
On travaille avec les autres partis pour adopter un projet de loi qui va nous permettre d'instaurer les mesures qu'on a élaborées pour vous. On va poursuivre ce travail-là au Parlement. Notre première séance virtuelle aura lieu demain et une séance en personne aura lieu mercredi. Parallèlement, on va aussi donner aux provinces et territoires du financement pour augmenter les salaires des travailleurs essentiels. Ils font un travail incroyable et ils méritent d'être compensés justement. People are facing different challenges right now, and no single program can reach everyone. So we're coming at this from every angle. If your employer can't hire you back, if you're a seasonal worker, if you can't find a job right now, the Canada Emergency Response Benefit is there for you. You've probably already received your first check. And if you need the help again for the coming month, go online and reconfirm that you're still eligible. And I want to remind everyone, you won't be able to keep both the wage subsidy and the CERB. It's one or the other, not both. If you're a student, there's support for you, too. Right now, we're working with the other parties on legislation to get this help flowing. Parliament will have its first virtual sitting tomorrow and an in-person sitting on Wednesday. And if you're an essential worker, you deserve to be paid properly for your incredible work. Our government is doing its part to make that happen. Ontario came out with their plan over the weekend, and we're working with them to provide the support they need to deliver results. And we're currently in discussion with all the other provinces and territories to get their plans for essential workers in place. I'll have more updates for across the country in the coming days. As I said Saturday, we're also collaborating on shared guidelines for reopening the economy once the time comes. Different provinces and territories will be able to move at a different pace, but we need clear, coordinated efforts from coast to coast to coast. And no matter where you live, you need to continue following the recommendations from public health officials that will keep everyone safe. Comme je dis, on travaille aussi avec les provinces et les territoires en vue de rouvrir graduellement l'économie. Les réalités de chaque province et de chaque territoire sont uniques, mais on doit travailler ensemble pour assurer la sécurité de tous les Canadiens. On a tous hâte de revenir à notre vie normale, mais on doit le faire comme il faut, sinon on risque de perdre tous les progrès qu'on a réalisés jusqu'à maintenant. Alors, vous savez quoi faire. Restez chez vous. Continuez de vous laver les mains fréquemment. Et si vous devez sortir, restez à 2 mètres les uns des autres. À chaque jour, on se rapproche du moment où tout sera derrière nous. On se rapproche du moment où on pourra célébrer tous ensemble. On n'est pas encore rendu à ce moment-là. Persévérons ensemble, mes amis. Merci.